Toi-même tu écoutes, non? On dit que ton âme repose en paix. Il crée en Dieu. Tu entends donc, ça veut dire dans l'homme, il y a l'âme. On dit l'homme est mort. Si il est mort. Parce que ton âme doit se reposer. Ton âme doit aller opérative. Même si tu te dis je ne vais pas aller plus. Mais je ne suis pas méchant. Je ne prends pas fœtus. Je ne fais rien. Il est très simple. Accepte Jésus et marche sa parole. C'est ce qu'il te demande. C'est tout. Tu lèves les mains simplement, tu dis Jésus, je t'accepte. Et puis Jésus dit, comme tu m'as accepté, voici ma parole, il faut marcher dessus, tu vas rentrer au paradis. Jésus, sinon Jésus même n'oblige pas quelqu'un. Petit Jésus, on y est, il n'oblige pas quelqu'un. Si il voulait obliger quelqu'un, tout votre village à tout le monde était chrétien. Tu connais mon musical, petit Christophe. Mais toi-même, regarde, c'est tout le monde. Mais si tu te dis que je suis chrétien, il ne faut pas que celui qui n'a pas accepté Jésus va en enfer. Et puis toi-même, tu as perdu ton temps à l'église. Mais à la fin de ta vie, et puis tu vas aussi en enfer. Aïe. Mon frère, hein? Celui qui ne connaît pas Jésus, là, il va en enfer. Si tu connais Jésus, et puis tu vas en enfer. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Il ne faut pas que toi, tu dis que tu es chrétien, tu vas aussi en enfer. Même si on écrit sur ton tricot que ton âme repose en paix après la mort, ils vont faire ton funérail même à l'église, ils vont bien danser. Le groupe choral va aller faire veiller chez toi à la maison. Le pasteur va venir prêcher pour dire que tu as accepté Jésus-Christ, allez là, il est au paradis. Mais tu n'es pas au paradis. Parce que toi-même, tu sais que quand tu vas à la maison, là, tu vois. Tu vas pas bien. Comment tu peux être chrétien et puis tu vas belé? Même le bébé même qui est assis là, c'est que c'est pas normal. Tu n'es pas un chrétien et puis tu vas boisson. Non, il n'y a pas paradis pour toi. Peut-être tu ne sais pas. Donc ce soir là, je suis en train de te dire que tu saches. Je ne te critique pas. Mais peut-être si je te dis tu vas quitter dedans. Peut-être quand tu vas savoir que c'est vérité, tu vas laisser tomber à toi. Donc c'est pourquoi je suis en train de te dire. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu vas poisson. Toi-même regarde dans ta conscience, est-ce que c'est normal? Même ceux qui ne sont pas chrétiens sont allés te dire, ah toi tu es chrétien et puis tu vas boisson. Ça veut dire même qu'ils ne sont pas, ils ne vont pas à l'église, ça fait que c'est pas bon. Donc tu ne dois pas faire ça, tu n'as pas paradis pour toi. On faudrait qu'elle soit, ça. Dieu, la Bible dit, Dieu nous a appelés à l'acquisition du salut. Il veut que tout le monde
tient le salut. Mais il dit sa parole d'abord. Ça veut dire que quand je vais partir en Europe, je dois faire billet d'avion. Il y a des papiers que je dois faire avant de partir. Il y a des papiers à faire d'abord. Je dois faire des papiers d'abord. Ça veut dire que je dois partout on va là, on court, on fait des papiers d'abord. Le monde entier va dessus Dieu. Mais on y a le mieux si c'est un soir. Ils savent que pour aller au paradis, il te faut papier. Il te faut la parole de Dieu. Non, et aussi ils ont regardé sur ce monde pour aller quelque part, il faut papier d'abord. C'est pas normal. Un chrétien doit avoir d'abord la parole. Que quand tu as la parole, tu médites ces paroles et tu marches sur ces paroles pour avoir le paradis. Tu dois avoir ça même avant de payer autre chose. Mes frères, ma soeur, le païen ne peut pas aller en enfer, puis toi, chrétien, aussi, tu vas en enfer. Regarde ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Il dit, chrétien aussi dit Modia. Il va dire que si fait aucun Modia mieux. Oh, Modia veut dire tu es maudit. Modia est un peu juste. Ça dépend de Dieu. On compte un ennemi, il se panne. Le monde même regarde les enfants de Dieu, regarde les chrétiens, attend une vraie révélation. Des vrais chrétiens. Même moi, on se compte un ennemi, il ne se fait pas à Jésus. Mais chrétien, quelqu'un comme mes je ne sais pas. Même le pasteur sur la tête des coiffures de coq. On passe le tissu. Il a déjà terminé. Tu ne dois pas couper ta tête à ta coiffure là en rond. Non, il a dit, comme je fais. C'est ce que le Lévitique a dit. Maintenant, Dieu lui-même dit, il ne faut pas, tu vas couper comme ça, tu vas couper comme ça, et puis Dieu même va comprendre un peu. Dieu, il est trop amour. Il est trop amour, il va comprendre. Moi, il sait que Dieu est amour. Mais son amour là, tu n'avais pas dit qu'on ne doit pas oublier. Alors, ça commence à faire tard. Vous sentiez, c'est vrai. Mais c'est possible qu'on obéit. On peut obéir. Dieu dit on n'a qu'à obéir. Il nous dit d'être saint. Si on n'est pas saint, on ne peut pas aller au paradis. Il y a des gens là, qui sont sur leur vie, est très saint.
Même si ça comme on a obligé de tu es à la maison, Et puis on va prier. On va se centraliser sur la prière. Que le Seigneur Jésus puisse opérer dans la vie. Aujourd'hui, il va faire des grandes choses. Parce que c'est l'apothéose. Il va faire des grandes choses. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus soit avec vous. Mais je n'oublie pas toujours d'insister le paradis. L'enfer, c'est réel. Tu joues avec ta vie. Tu veux dire que je suis chrétien, mais tu es dans le péché. Tu n'es pas encore marié, mais ton sexe est en couple. Ton sexe est déjà en couple, pourtant tu n'es pas marié. Tu vas partir en enfer. Même si tu sais comment on va. Mais il faut que je te dise la vérité. Quand tu es célibataire, il faut que ton sexe aussi soit célibataire. Il faut sortir du péché. Dans ce satan, Parce que c'est là, c'est ce jour-là qu'ils ont su qu'ils étaient vivants. Ils ont fermé la partie intime. Quand Dieu est venu dans le jardin, il les a chassés. À l'église, on est rempli tous les les essais sont dehors. La poitrine est dehors. La mollet est dehors. Si tu trouves que coule, bon, faut pas. Quand tu parles, il n'a pas de catastrophe. Quand le mec parle, ils vont regarder tes intestins. Ils vont regarder tes intestins. C'est pas la folie. Non, si j'y ai là. Regarde même les enfants de Dieu. Ils vont payer à vie, ils voient ce qui est propre. Mais les jeunes, ce qui est déchiré, déchiré, déchiré là. Et au cas où il y a un chemin, tu as mis un petit tigre. Pantalon qui est déchiré là. C'est ça, il sert. Pourtant, avant qu'on voit quelqu'un qui a habillé déchiré, c'est que c'est un fou. Ce sont des fous qui portent à vie comme ça. Quand on était petit, on a notre vêtement, il a oublié le nom qu'on donnait même en parler, mais ça déchire tout. Mais là, c'est la pauvreté. Mais toi, tu vas payer à Dieu. Parce que pour
toulou qui est déchiré là, ils n'ont pas payé déchiré. Et hein. Quand tu es un petit peu de l'eau, la vieille me dit on ne voit pas anti l'amour. On peut parler l'amour. Et même ça, on peut l'amour et puis déchirer. Ah bon, mais même quand on l'amour, il va pas être. Il déchire, il va pas être là. Tu as, Ça, c'est pas la folie. Non, si je me gagne là. Répentez-vous. Mais le quartier est jeune. Changez de vie. Le quartier est jeune. Le montant vers sa fin. Mais on se croit, il y a de l'air. Il faut qu'on cherche Jésus. Alors, écoutez Jésus, il y a. Alors on va commencer le film. Vous êtes là, bébé. Venez vous asseoir. Maman, grâce. Pour qu'on puisse commencer. Là, hey, bébé. Et après, on va faire des prières de guérison et de souffrance. Là, c'est la même chose. Fais-moi, tu vas dire, fais-moi. Que le Seigneur vous bénisse. Bien, on a, monsieur. Tentez-vous profondément, faites les restitutions qui s'imposent. Si vous mourrez avec le sang des gens sur vos mains, vous serez tourmenté en enfer. Le Seigneur a dit, dis-leur, aucun divorcé n'entrera dans. So if you are here, if you have dropped your first wife, you are married a second wife, go to your first wife. If you are here, leave your first husband, you are married to a second man, go there back. Because no divorcee, we enter heaven. Donc si toi, homme, tu as abandonné ta femme pour épouser une autre, rentre chez ta père. Dit au monde, every man and woman that put on attachments on their head, une personne, homme ou femme qui met les mèches sur sa tête, there are men now putting on attachments, they call themselves homo. Quand il y a des hommes qui mettent déjà les mèches sur la tête, ils se disent homo gay. Alléluia. Amen. Bien aimé, non pas qu'on vous déteste. Il vaut mieux qu'on te tire avant que tu ne meures. Parce que si tu mets sans connaître la vérité, parce que le manque de vérité, c'est l'ignorance. Si tu mets dans ça, tu vas partir en enfer. C'est pourquoi nous vous disons la vérité. Comme elle vient de dire tout à l'heure, aucune femme qui met des mèches sur sa tête ne va au paradis. Les femmes bravo. S'habillent de façon décente, avec prudence, et modestie. Elles ne se parlent ni de tresse. Il ne faut pas avoir ajouté des mèches. Il est clair dans sa parole. Si tu as tout dans ça. Il n'y a pas Jésus là-bas. Jésus de Manu. Il n'y a pas Jésus dans son église. Non, mais c'est pas parce qu'on vous déteste. Non, que vous dites. On est obligé de dire la vérité, même si ça vous trouble. Même si ça te trouble, on est obligé de te dire. Merci, oh oui. Il faut te dire je suis prophétesse. Moi je parle la langue. Je parle rababa et je te multiplie puissamment. C'est vrai de Dieu. Il n'y a pas de problème, Dieu t'utilise. Mais on t'a dit depuis le début. On t'a dit pour paradis là, c'est l'obéissance à sa parole. Même si tu parles. Elle travaille pour la sirène des eaux. Elle travaille pour donner à Satan. Elle travaille pour donner à Lucifer. Il n'y a pas paradis pour une femme qui travaille dans la sirène, dans le salon de coiffure.
déjà appris qu'une femme chrétienne elle est décédée quelque part. Si tu l'as vu, bien entendu, elle avait mis mes soins, elle était sur la terre. Ce soir, on l'a remercié. C'est qu'elle n'est pas partie au paradis. Okay, elle est en enfer. Hey, il n'y a pas paradis pour femme qui m'aime. Et il n'y a pas paradis pour toi. Toutes les femmes ont déjà touché leurs propres cheveux avec mèche bien lèvres. Elles sont la marque 666 sur les têtes. Elles sont la marque du diable. Il faut donner ce qui appartient à César. Ça c'est pour Satan. Il faut laisser ceux qui ne sont pas chrétiens. Tu es chrétien, tu ne peux pas même mettre sur la tête. Il ne faut pas partir en enfant à cause de mercy. Il y a qui? Quitter l'enfer. Tu es encore vivant, mais ton âme est déjà en enfer. Tu es encore vivant, mais ton âme est déjà en enfer. Tu es bien allé au paradis. Il n'y a pas de paradis pour toi. Il faut lever les mèches. Quand on entend parler de ce qu'il faut aller au paradis, il ne faut pas mettre ton nom dedans si il y a mèche sur ta tête. Tu prends des mèches et puis qu'on parle de maladie. On est pas ça demain, tu vas aller au paradis, tu me soulèves ta mère aussi. Quand tu as mis mèche, qu'on parle de paradis, si tu vas trouver qu'on est dit, qu'on soit dit ici, si tu es venu ou bien tu n'es pas venu, c'est pas mon affaire. Quand j'ai parlé, tu entends. Moi aussi, quelqu'un qui est un seul, on dit. Je suis ton lit, même si tu as couché. À côté de l'hôtel, une baffe là, tu ne peux pas dormir, tu n'as pas bien. Mais cela va te conduire en affaire. Répentez-vous dans ce nom, changez, aimez vos proches cheveux que Dieu va vous donner. La Bible déclare dans le chapitre 11, verset 14 à 15, il dit la chevelure a été donnée à la femme comme gloire. La c'est sa gloire. Quand tu laisses ta gloire, mais tu laisses un faux cheveu. Toi-même tu appelles ça faux cheveu. Et puis tu ça est sur toi. Si quelqu'un te donne faux billet, tu vas faire. Répentez-vous. Dans ce côté, répentez-vous. Les temps sont finis. Arrêtez de dire demain. Demain sera trop tard. Alors on t'invite. Faut venir, on va finir le film là-dessus.
On va finir d'enseigner de suite là. Et puis on va prier pour tout le monde. Les malades, venez. Toi qui es déjà venu deux jours, trois jours, quatre jours, il faut venir. On va prier pour tout le monde. Il faut venir parce qu'aujourd'hui c'est la prière. Spiritual attachment on your head, vivant, thread, wool, anything that covers your natural hair, don't put it on your hair. Ne vous coiffez pas de mèches, de rasta, bref, de tout ce qui masque vos cheveux naturels. C'est parti payer ça, ça y est. ABC. Voici ça, c'est écrit dessus. Anti-création. Tu as payé ABC. Atelier, émotion ABC. Et tu prends pour plaquer tes cheveux. Tu vas défriser tes cheveux. Tu dis mes cheveux là, c'est dur, je ne vais pas payer. Il faut que je paye ABC. Pour défriser mes cheveux. Et puis tu changes les cheveux que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné les cheveux durs. Mais toi, tu t'en vas payer une pommade pour défriser tes cheveux. Si tu meurs, tu vas aller à l'enfer. Il n'y a pas de paradis pour une femme qui défrise ses cheveux. Il faut prendre ciseaux, bien ton Dieu, tu vas raser, ça va pousser à nouveau. Tu vas payer, attraper ton cœur. Attraper ton cœur. Attraper ton cœur. Et tu t'en vas défriser tes cheveux. Ça blesse même tes cheveux. Ça blesse entre la peau de tes cheveux. Et puis tu dis, je suis en train de faire ta loi. Je suis en train de faire ta loi. Pourtant, il a plein tes cheveux ça. Si tu vas payer ça et puis tu défrises tes cheveux. Pour une femme qui défrise tes cheveux naturels. Tes cheveux naturels, tu t'en vas fiamou là, il n'y a pas de paradis vivant. Les hommes aussi qui font dread. Tu vois sur la tête, c'est sur la tête. Vous mourrez, vous partez en enfer. Toutes les hommes qui font dread sur la tête, ils prennent chiffon pour faire dread sur la tête. Il n'y a pas paradis pour vous. La Bible dit, dans les 1 Corinthiens chapitre 11, verset 15, c'est une honte pour l'homme. De garder de longs cheveux. Les hommes doivent couper les cheveux. Les femmes ne doivent pas couper les cheveux. Elles doivent garder les cheveux. Tu ne dois pas laisser tes cheveux longs, garçon. Si tu vas faire dresser sur ta tête, tu vas mourir, tu vas partir en enfer. Cette beauté là même, mon cher, c'est comment? Est-ce que nous-mêmes on peut créer beauté? De toute façon, tu es là, tu n'es pas beau comme ça, mon frère. Tu n'es pas beau comme ça. Dieu ne t'a pas créé beau. C'est Dieu, tu vas mettre sur ta tête là, c'est ça qui fait ta beauté. C'est à cause de ça, tu vas finir avec les petits gosses du quartier. Pardonnez, quittez des temps. Si garçon, tu as fait tes cheveux, il faut enlever. Sinon, si tu mets des dents là, ils vont t'enterrer, mais tu vas pleurer dans le feu de l'enfer. Femme, si tu as payé un produit pour défriser tes cheveux, tu as payé un baisser pour défriser tes cheveux. Tu es parti dans le salon pour défriser tes cheveux. Tu mets, tu vas descendre dans le feu. Tu vas descendre dans le feu. Le feu de l'enfer va te brûler. Il n'y a pas pitié de là-bas. On t'a dit, on t'a parlé sur la terre. On t'a bon parlé. L'année passée, on est venu vous parler. Cette année, on est en train de vous parler encore. On vous aime, c'est pourquoi on vous parle.
Changez, oh. Ne te dis pas je suis chrétien. Et puis tu as défrisé ta chevelure. Tu n'as jamais été chrétien. Mais tu es pire qu'un païen. Parce que la parole de Dieu te dit. La parole de Dieu dit dans l'un des Ecclésiastes chapitre 3, le verset 14. Ecclésiastes chapitre 3, le verset 14. Il dit, tout ce que Dieu a créé est bon, on ne peut rien ajouter, on ne peut rien rétrécir. Ce que Dieu a créé est bon, mais toi, et le Seigneur dit par le témoignage, il dit il ne faut pas rendre tes cheveux rouges, il ne faut pas rendre tes cheveux blancs, il ne faut pas rendre tes cheveux noirs, il ne faut pas aller meilleur sur ta tête. Là il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 36, il dit tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Il dit nous là on ne doit pas faire ça, on ne peut pas faire ça. La parole de Dieu te dit arrête de mettre le mot sur ta tête. Et le vieux qui est au quartier, je vais te dire tu vas mettre le mot sur ta tête. La vieille Dieu dit mon frère, ma soeur, coiffure rouge que tu as mis sur ta tête là. Est-ce que Dieu t'a dit il faut te répandir. Il dit tu ne peux pas mettre ça sur ta tête. C'est la parole de Dieu qui va vous juger. C'est pas un homme qui va vous juger. C'est la parole de Dieu qui va vous juger. C'est vrai que vous êtes au village. Mais on aime tellement votre village. On va partout en Côte d'Ivoire dans vacances là. Il y a beaucoup qui sont enseignants. Une petite vacance de 3 mois. On va partout en Côte d'Ivoire. Mais c'est votre village qui est plus. Parce qu'on va même dans le campement. Oh non là-bas, oh non. Mais c'est pas autant qu'on peut pas dire la vérité. Aujourd'hui là, les malades, venez. Avec qui tu participes en blanc. Tu es paralytique, il faut venir. Dieu va faire des grandes choses. Si quelque soit la durée de ta maladie. Mais avant qu'on ne passe à l'étape de la guérison, on a en train de dire que si tu payes ABC pour défriser tes cheveux, toute femme qui a défrisé tes cheveux, à vous à quoi s'il t'en mort. Tu vas le faire. À vous à quoi s'il t'en mort. Tu vas le faire. À moi comment je me soulage ça. Tu ne veux pas aller au paradis. Tu vas passer où. À moi comment je me soulage ça, Yotimeshi. Si tu m'aimes, tu n'iras pas au ciel. Ça fiotine à ton produit, ça fiotine à quoi je me soulage. Si tu défies tes cheveux, tu n'iras pas au ciel. Ne mets plus clos, ils sont tellement fâchés. C'est pourquoi il t'a donné ses beaux cheveux. Ne mets plus à tromper, mais où. Dieu ne s'est pas trompé. Il va m'en faire dire tes cheveux crépus, c'est lui qui t'a donné tes cheveux crépus. Alors ça cacille à ta voix pas si t'as non. Si tu ne changes pas que tu restes, tu meurs, tu vas à l'enfer. Pour un chrétien qui veut aller au paradis, il faut croire au contraire. En quoi il y a mieux pour éclairer le lieu. Quand tu as entendu la parole comme ça, tu l'as dit. La nuit, tu vas fléchir chez nous. Comme le boy, encore contre Jésus. Hein, Jésus. Je ne veux pas aller en enfer. Il y a quoi que quoi si maintenant. Voici ce que les petits enfants les chers là-haut. Si c'est vrai là. C'est ça quoi, c'est pas bon. Tu parles. Quelqu'un dit. Moi, je ne veux pas aller en enfer. Il faut me révéler. Il faut me dire. Quelqu'un dit. Moi, si j'ai des faux cheveux, je vais enlever. Je vais enlever, puis je ne veux pas aller en enfer. Il y a quoi que quoi si maintenant. On est allé prier comme ça. Si vous en foutez, c'est pour bafouer. La Bible dit, c'est lui qui, traite ses oreilles dures, Que tu ne peux pas écouter.
Même sa prière, ça passe par l'abomination. Celui qui ne veut pas écouter la loi céréale, sa prière même est une abomination. Comme toi aussi, quand Dieu te parle, tu vas le faire. Toi aussi, tu vas le faire. Si tu ne pas écouter, en toi et Dieu, tu dois écouter son ami. En toi et puis tu es là, tu dois écouter son ami. Toi, tu ne veux pas écouter Dieu. Mon frère, moi-même j'ai un enfant. Moi, j'ai beaucoup d'enfants. Si je dis à mon fils, va faire ça pour moi. Et puis dis papa, je ne peux pas faire. Je l'attends au tournant. Quand il vient me dire papa, je veux que tu me donnes ça. Je lui dis que moi aussi. Quand je t'ai envoyé cette réponse, c'est comme ça nous aussi on est avec Dieu. Quand Dieu te dit pour lui, tu n'as pas fait. C'est pas pour toi là aussi, il va faire. ABC conduit à l'enfer. ABC, on va le consulter. Défriser les cheveux conduit à l'enfer. Faire coiffure tectonique conduit à l'enfer. Faire dread conduit à l'enfer. Mettre des mèches conduit à l'enfer. Faire une coiffure rouge noire, mais yomo. Il y a des vieux pères, vieilles mères qui ne marchent pas. Il veut laisser toujours mon frère qui est à loi. Donc je vais prendre la tasse à vieille mère qui va mettre yomo. Un jour vous allez dire que car ce que les mauvais l'ont dit, les enfants l'ont dit. Car ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Mais ça sera trop tard. Souviens-toi, Dieu dit, beaucoup sont passés. Mais beaucoup n'iront pas au paradis. Ceux qui rentreront au paradis, c'est ceux qui obéissent à sa parole. Et il dit dans le livre de Jacques, Jacques 1, verset 10. Il m'a bu. Et si tu obéis à toute la parole de Dieu, c'est que ça reste un. C'est un et que tu n'as pas obéi, tout est annulé. Okay, c'est comme si tu n'as pas okay, obéi. Okay, tu as parti en affaire. Ils sont encore sur le point de prévenir. Et quelqu'un va le poursuivre. Et pour le corps. Then dye your hair to change the color of your hair. Ne faites pas teindre vos cheveux pour en changer la couleur. Women, don't bob your hair, don't cut your hair. Femmes, ne vous rasez pas la tête. Men and women, don't put dread on your hair. Hommes et femmes, pas de rasta sur vos têtes. And you go to dress you. Il en est venu à la tenue vestimentaire. And when the Lord tomorrow, the Lord will show me churches how we are dressing naked our body. Il m'a fait les églises et m'a fait voir. He said, I will throw them in hell. Il a dit, je jeterai en enfer toute personne, homme ou femme, qui porte des habits, qui expose son corps. Tu t'es habillé comme garçon. Même si tu portes du lot là en bas de ton paillou, tu vas en enfer. C'est qui porte pantalon. Aujourd'hui, ils ont donné du lot là, et puis pantalon là, d'autres non. On appelle d'autres cyclistes. On appelle d'autres collants. Tout est même chose. Tout est même chose. Cycliste là, c'est pas culotte. Collant qui arrive ici là, c'est pas pantalon. Si tu portes ça, tu mets, tu vas en enfer. Tout est fait sans odeur. Même si tu passes en bas de ton panier, tu mets, tu vas en enfer. Pantalon là, Dieu a créé pour nous les hommes. C'est pas pour les femmes. Non, c'est pas parce que tu vas porter en bas de ton panier que ça va changer la parole de Dieu. Ça ne change rien. Faut porter ton caleçon, tu vas porter ce que tu peux porter en bas et puis tu as parti.
C'est parce que votre habillement là, ça vous sert. Et si je porte pas collant, mon collant va sortir dehors. C'est parce que habillement là, t'es fait. Et comme ça, tes plaques. C'est pour ça. Si la Bible dit de t'habiller de façon décente, avec prière, faut pas ça va te coller. Faut pas ça va te serrer. Alors si tu as porté cela, pourquoi ton caleçon va dessiner dedans? Si tu as attaché ton pain là, pourquoi ton caleçon va dessiner dedans? Changer de vie, femme. Suivez la parole de Dieu. Suivez. Vous avez porté menu. Vous partez vous asseoir à l'église. Vous vos cuisses avec vos mollets sont au dehors. Vos selles sont au dehors. Vos aisselles sont au dehors. Vos aisselles sont au dehors. Vous flingez tout le temps à pied, ça sent. La sueur coule jusqu'à ça sent. Au lieu de porter habillement qui ferme tout, ça ne vous dit rien. L'église est remplie de séductions. Le pasteur même il a problème quand il a l'hôtel. Mais c'est parce que vous vous habillez mal. Aucune femme qui porte pantalon qui met pantalon au paradis. On vous a prévenu. Ce village a été Donc tout ce qui dit chrétien, la femme s'habille de façon décente. Il faut écouter. C'est dans l'église, Jésus revient l'enquête. C'est la parole de Dieu. Si tu veux, faut rester dans ton église. Mais il faut bien t'habiller. Arrête de mettre des seins au dehors. Femme, arrête de porter pantalon. Arrête de me porter la culotte. C'est l'homme qui porte la culotte. C'est pas ça. Alors, si tu veux, tu peux aller prendre ta parole dans le livre de Esau, chapitre 28, le verset 42. Jusqu'au verset 42, tu vas voir. C'est Dieu même qui a dit comment on crée culotte. Et puis il a dit qui doit porter culotte. Il faut te repentir. Collant collé que tu portes là, si tu ne te répands pas, ça va te flotter en enfer. En enfer, quand on va te présenter tout sort de collant, tu ne pourras pas porter. Tout sort de collant qu'on va te donner en enfer, tu ne pourras pas porter. Répands-toi, les temps sont finis. Répands-toi, les temps sont finis. Arrête de mettre ces choses, on a parlé de choses. C'est le qui fabrique ça. Il faut faire très attention. On va poursuivre toujours. Ne mettant pas un habillement de femme, toute femme qui porte le pantalon comme un homme sera jetée en enfer. The Bible is inside the Bible, Deuteronomy chapter 22, verse 5. Women should not wear trousers. Go and read it. If
disobey what the Lord say in this Bible, we don't complete it, you are going to hell. So if you are here listening to your pastor than the Bible, you are doing yourself. Cela avant, mais quand je suis revenu et que j'ai ouvert la Bible, j'ai découvert que c'est écrit, une femme n'importera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 22:5. Si tu désobéis à ce que Dieu dit dans la Bible, tu es en route pour l'enfer. Si tu préfères écouter ton pasteur plutôt que la Bible, eh bien tu te fais du mal à toi-même. He said, tell them they should not mark their body, cut their body, piercing their body, change their color of their body. Il a dit, ils ne devaient pas faire d'incision sur leur corps, ne devaient pas percer leur corps, pas de tatouage, qu'ils ne changent pas la couleur de leur peau. And then I say, Lord, I will tell them. J'ai dit, Seigneur, je vais le leur dire. Anything that's inside the Bible, the Lord is mentioning it now. Voici les versets bibliques qui condamnent ces choses. This marking and cutting, piercing the body is inside Leviticus chapter 19, verse 28. Les incisions, les tatouages et le perçage du corps sont interdits dans Lévitique 19, 28. He said they should not put on their strange God. All this jewelry they are carrying on, I don't want them. Il a dit qu'ils ne portent pas de dieux étrangers, c'est-à-dire tous ces bijoux que les gens mettent sur eux. Je ne les veux pas. He said they should remember what I say in Leviticus chapter 20:23. No walk in the manner of the nation which I cast out before you. Il a dit qu'ils se souviennent de ce que j'ai dit dans Lévitique chapitre 20, verset 23. Vous ne suivez point les usages des nations que je vais chasser devant vous. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Non, je suis obligé de prêcher. C'est ma mission. Je suis missionnaire. Partout encore en Côte d'Ivoire. Les bracelets. Les bouts d'oreilles. Les bagues. Si tu poses ces choses. Hein, ces genres de choses-là. Si tu mets ça sur toi, on vous a parlé d'un vrai village de Trobeño. Si tu mets ce genre de choses sur toi, tu vas descendre en enfer. La Bible appelle ça les dieux étrangers. Jacob était quelque part à Sichem. Ses enfants ont tué tous les gens de Sichem. Et quand ils ont tué, ils ont amené des captifs. Et Dieu dit Jacob, quittez la Seigneur. Avant de partir, la Bible dit, Jacob dit à ses gens, il dit aux captifs, enlevez vos dieux étrangers. Et puis donnez-moi, je vais jeter. Les gens commencent à enlever les boucles. Il dit dieux étrangers, pourquoi ils n'ont pas enlevé les masques? Les chaussures, la pourquoi ils n'ont pas enlevé? C'est la boue d'oreille, on enlève et puis l'enterré. Si tu mets des boucles d'oreilles, même si tu es à la maison où je vais parler, toute femme qui prend des bouts d'oreille à ma maladie pour elle. La Bible appelle ça Dieu étranger. Dieu étranger. Toutes les femmes qui ont percé au rang de mes bouts. Comme elle vient de dire, toutes les femmes qui ont percé au rang de mes bouts. Bon, à cause des bouts d'oreilles petits. Sans bouts d'oreilles 50 francs. Moi, je ne discute pas avec l'écriture. Si tu veux, crois. Si tu veux, il ne faut pas croire. Moi, je ne discute pas avec l'écriture. Tu mets bouts d'oreilles 50 francs. Tu as bâti un enfer. Tu achètes le coup, tu es garçon, tu es femme. Tu as battu en enfer. Tu as mis bracelet. Bracelet au bras. Tu as battu en enfer. Même tu as porté bague de mariage. Tu as porté toutes sortes de bagues. Tu dis que j'ai payé ça au marché, j'ai aimé et puis j'ai payé. Tu as battu en enfer. Quand Dieu t'a créé, il y avait bac sur toi. Il y avait des dieux étrangers sur toi. Il n'y a pas paradis. C'est pourquoi beaucoup là, l'enfer rempli de femmes. Elles sont pleines en enfer. Aujourd'hui, la serviteur de Dieu, beaucoup sont en train de faire. À dimanche, ils vont aller à l'église. Ils vont demander à leur pasteur.
Le pasteur va dire. Le pasteur se met que. Ils vont demander pasteur, mais les fous là ont dit faut pas en parler. Le pasteur vient signifier son bien-aimé et voilà ce qu'on finit. Ils vont pas dire que la parole de Dieu a dit. C'est qu'un mien de ouais. Ils vont dire que c'est le jeune qui a un bloc. C'est qu'on a qu'à dire. Le bâtiment est bien, tu bleu fou. Le temps t'a parlé avec un verset biblique. Un des cousins où est sa ligne, mien taïf, il n'a pas dit que le mec a écrit le livre. Faut aller prendre le livre de Genèse. Genèse chapitre 5. Du verset 1 au verset 4. Tu vas trouver ça là-bas. Comprends Timothée chapitre 2. Le verset 9. Tu vas trouver ça là-bas. Comprends le livre d'Esaïe. Chapitre 3. Le verset 16. Au verset 4. Tu vas trouver ça là-bas. Comprends le livre d'Ézéchiel. Chapitre 7. Le verset 19, il m'a au verset 21, il y a plein de personnes au verset 21, tu vas trouver ça là-bas. Et il n'y a aucun de ce qu'on ne sait pas. Va pas aller donner ce passage à l'homme de Dieu. Tu vas dire c'est nous on a dit. Au lieu de dire c'est la parole de Dieu qui dit. Oh, pourquoi vous voulez aller à l'enfer même? Pourquoi? Pourquoi? Ça me fait mal. Non pas que vous n'êtes pas venu, vous êtes assis. Non pas que vous n'êtes pas venu dans l'église de Dieu. Mais c'est parce que vous ne croyez pas la parole de Dieu. On vous donne les écritures. Mais vous avouez ça. Et l'homme de Dieu aussi va interpréter mal pour les années. Toutes ces choses à ça. Ça. Asumandi. Asumandi. Bracelet. Bag. Une personne qui met ça sur son papa. Il y a pas paradis pour toi. Faut pas qu'on va compter ceux qui sont au paradis. Faut pas dire ton nom. Tu sais quoi? Aussi. Il vaut mieux qu'à l'église il y a deux personnes. C'est à son ancien métier. Ou bien une personne. Le poisson pour un tiers. Ou bien trois personnes. Le poisson sans. Qu'il y a mille personnes. On dit pas très bien. À moi tu seras admis. Mais la bougie a été. La flamme a été. À cause de ces dieux étrangers. À cause de ces sorcelleries. À cause de tout ça. Nous sommes. Nous sommes. Quand tu attends qu'on te voit et puis tu t'en vas. Sa parole. Je vous ai donné tous ces passages. Ma mère l'avait. Je suis pris devant vous. On vous a dit tout la vérité. Si vous voulez, allez à l'enfer. Si vous voulez, ne partez pas. Elle a quitté là-bas. En 2013, dans ce nom. Venez les malades. Venez ceux qui souffrent quelque chose. Venez moi ça vient me soulever bien. Si tu souffres quelque chose, tu veux qu'on prie pour toi. Ça encore gagner sur ma main. Et viens vite vite qu'on prie pour toi. Ça encore gagner sur et sur ma main. Tu es venu sur cette rangée. Ceux qui sont libres vont commencer à prier pour toi. On doit prêcher la parole. C'est ça qui conduit au paradis. Si tu mets des trocons, des bagues, des bracelets.
de communion. Petit bout d'oreille. Gros bout d'oreille. Quelque soit bout d'oreille. Ça pèse tes oreilles. Et puis tu as mis pour. Tu mets, tu vas en faire. Il faut les enlever. Il faut les enlever. Regarde ça, bout d'oreille. Regarde ça. Tu mets ça, tu vas en faire. C'est dans quelle parole Dieu vous a dit de percer oreille. Personne ne peut laver la main pour ça. Mais moi je te donne le livre de Deutéronome. Chapitre 15. Le verset 12 au verset 17. Je répète, Deutéronome chapitre 15. Verset 12 au verset 17. Tu vas voir où tu es interdit. Comme et Dieu va te dire qui on doit percer l'oreille là-bas. Tu peux prendre encore le livre des autres. Chapitre 21. Verset 1 au verset 6. Nous on parle avec des versets. Il n'y a pas que tu ailles en enfer. On continue. And the Lord had to show me different things on human body. See the attachments, the dwelling, this thing. The Lord said, these things are not of me. I will take you to hell, but I show you the father of these things, my children, are putting on their body. Tu ne puisses pas aller en enfer. Mais que tu puisses aller au paradis. Mais si au nom d'une tradition, et que tu désobéis à la parole de Jésus, il n'y aura pas de paradis pour toi. Et le Seigneur ne va pas te tolérer. Il ne va pas te dire. C'est une tradition. N'obéis pas à la parole de Jésus. Ma bien-aimée, si toi tu optes pour la tradition, cette tradition-là va te tuer. Et tu vas aller en enfer gratuitement. Cadeau. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu es, même si tu veux, il faut être la femme d'un pasteur. Et puis tu dis, c'est vrai, moi je suis femme de pasteur. Mais nous, dans notre tradition, quand quelqu'un, il y a un enfant qui naît, nous on porte les bijoux. Tradition, c'est la même, mon mari ne peut pas changer. Ma bien-aimée, tu meurs, tu vas en enfer. Parce que qui est le pasteur? Toi-même là, qui es-tu? C'est Jésus qui vous fait. Jésus est la mort. C'est Jésus qui fait que vous vivez. Jésus tient mon gouvernement. Et c'est lui qui a dit que tu ne dois pas mettre. C'est pourquoi nous t'interpellons. Enlevez les bijoux. Enlevez les bijoux. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Depuis le livre de Genèse, c'est là que le mariage a été célébré. Est-ce que tu es légalement? Il n'y a pas de même à ton doigt. Quand tu t'en vas déposer tes dossiers, on te demande si tu es marié. Quand tu dis oui, je suis marié, quand bien même qu'on voit la bague à ton doigt, on te dit d'envoyer quoi pour joindre à ton dossier. On te demande de photocopier quoi pour joindre à ton dossier. Est-ce la bague à ton doigt? On te demande de photocopier pour faire. C'est quoi on te demande aujourd'hui? N'est-ce pas le certificat de mariage? C'est le certificat de mariage que vous avez signé. C'est ce qui demande que vous êtes marié selon la loi. Selon la loi en vigueur dans le pays. En dehors de ça, ce n'est pas la bague de mariage. Quand bien même que le
mes chers frères, mais il ne croit pas que tu es marié. Parce que si pas de tes synonymes de mariage, allez-y, faut à la gare routière du Boquet. Les coxers, les petits balancers, ils ont jusqu'à 10 à leurs doigts. Donc, ils sont, tu veux dire qu'ils sont mariés 10 fois. Mon bien-aimé, ce n'est pas sale. L'alliance dont Dieu parle, mon bien-aimé, on aurait bien aimé t'expliquer. L'alliance n'a rien à voir là, ce à quoi tu penses. On aurait bien aimé t'expliquer ici. Si le Seigneur nous fait grâce, dans la suite, on peut t'expliquer. Mais en dehors de ça, c'est un enseignement particulier. Et il faut que tu comprennes. Pour ne pas que tu te laisses perdre par le monde. Marier avec un père n'est pas synonyme de mariage. Si tu es tout enlevé, et que tu dis non, moi ma part de l'air avec chacun, tu n'as rien fait du tout. Comme mon frère me dit, lorsqu'on écoutait le témoignage du serviteur de Dieu qui a coup de flé, lorsque le Seigneur l'a conduit en enfer, le Seigneur a retiré un homme de Dieu qui était en enfer, un pasteur qui était en enfer. Et puis le Seigneur lui dit, mon fils, demande à cet homme pourquoi il est en enfer ici. Et puis l'homme l'a dit, je suis ici à cause de bal de mariage. Et puis le pasteur qui en a fait pose la question à Jésus. Jésus, c'est où tu as dit dans ta parole que si on se marie, on ne doit pas porter bal de mariage. Et puis Jésus lui retourne la question. Moi aussi je te pose la question. C'est où j'ai écrit dans ma parole. Que si toi tu te maries, toi homme tu te maries, tous les hommes si vous vous mariez, vous ne me portez pas de mariage. C'est où j'ai écrit ça. Sa bouche est fermée. Si aujourd'hui toi tu fais le pari, c'est avec qui? Tu dis que moi, je vais prendre la Bible. Aujourd'hui, je suis fâché. Avec qui, ma foi, je vais lire. Le chenin jusqu'à Apocalypse. Je vais fouiller dans la Bible. Là où ils ont célébré mariage. Et puis ils ont mis bas de la femme. La femme également l'a mis bas de la femme. Mon bien-aimé, si tu as vu ça dans la Bible, je vais montrer ça. Je vais déposer le micro là. Je vais aller continuer mon enseignement. Vous pouvez encore plus même là. Les billets d'avion qu'on m'a proposé pour aller au Canada, aux États-Unis. Je vais reprendre ces billets. Et puis je vais fuir pour aller au Canada. Je vais dire que votre affaire de Jésus. Tu vas chercher, tu ne vas pas avoir. Ça n'existe nulle part. Michel Malé, nous continuons. Et toi, Jésus. Esaïe chapitre 3, le verset 18. Et Timothée chapitre 2. Et Timothée chapitre 2. Le verset 9. Et Pierre chapitre 3. Pierre qui crie l'être saint. Le verset 3. Image saint. Il a dit, beaucoup de chorales sur la terre ne sont pas mes chorales. Et c'est du coup, non, d'espoir, il y a full of jealousy, malfornication, gossip. Il a dit, car aujourd'hui, la jalousie, la malveillance, le commérage, la fornication règne dans les groupes de chorales. Ta copine, c'est celle qui chante. Et toi également, ma soeur qui chante à l'église. Depuis le mort, Jésus n'est pas dans ces choses. Jésus, mais ça nous donne nous. Là,
wife. You have a child outside. Your marital home, your wife don't know. You have been sleeping outside. You have been lying to your wife. You have been deceiving her. You have two salaries, one for home, one for the house, for the girlfriend outside. You have been doing things that don't please the woman. If you don't go and say, oh, baby, honey, this is what I was doing all these years. Have mercy upon me and say, Lord, show me mercy. The Lord said, many husbands are inside because of this thing. They fail to show love. Les hommes qui manquent d'amour envers leurs épouses, qui les brutalisent et qui donnent leur attention à une autre femme en dehors de la maison. Toi, homme qui trompe ta femme avec une autre, tu as même un enfant en dehors du foyer à l'insu de ton épouse. Tu partages ton salaire entre ton foyer et une maîtresse. Tu dois avouer tout cela à ton épouse et lui demander de te pardonner et implorer le pardon du Seigneur. Beaucoup de maris sont en enfer parce qu'ils n'ont pas manifesté l'amour envers leurs épouses. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible dit. On est devant la Bible quand? Il dit, femme, ouais, soyez soumise à vos maris. Amour. Et dit au mari, aimez vos femmes. Tout homme qui n'aime pas sa femme, il la trompe. Tu vends ton anacade. Où tu as déterré une âme, tu as vendu. Oh, c'est vous deux qui avez fait changer. Tu t'en vas prendre l'argent là. Et puis tu as une petite à côté à Dieu. Tu t'en dépensais tout l'argent là-bas. Et puis tu dis, cette année, ils n'ont pas acheté. Ça n'a rien donné du tout. Toi, tu matais ta femme. Mon bien-aimé, si tu meurs, tu vas en affaire. Toi également qui entretiens des relations extra-conjugales. Et tu as même des enfants là-bas. Tu ne dis pas qu'à sa femme. Tu te caches-caches. Mais si tu meurs, tu vas en affaire. Toi également la femme. Quelqu'un t'a enceinté. Pendant que le monsieur n'était pas là. Tu sais très bien que l'enfant là, c'est pas ton mari. Mais tu caches. Tu caches. Et puis tu dis, c'est pour lui. Puisqu'on est marié, c'est pour lui. Et tu as tout fait. Le monsieur ne savait rien. Ils étaient allés ensemble. Arrivé à certains moments. Ah, chérie Coco. On dirait, on va avoir un enfant. Lui aussi sans le savoir, il a pris. Ma bien-aimée, tu vas payer ça en affaire. Il faut aller dire à ton mari que parmi les enfants, celui qui est comme ça, c'est pas ton enfant. Toi aussi, il faut dire à ta femme que j'ai un enfant dehors. Que je vendais un acadia. Je te frappais. Je ne veux plus faire ça. Il faut que vous vous pardonnez. Sans quoi il n'y a pas de paradis pour vous. Nous continuons. Pardonnez, mettez un peu de sel sur votre bouche. Mettez un peu de sucre sur votre bouche. Dieu dit que les femmes, là, quand elles parlent à leur mari comme ça, tellement ça vous fait mal. Le feu va te brûler. Si, on va. Mais tu ne vas pas aller au paradis. Oh, sous comment il est caché. Chanter à l'église. Ah, qu'on se produit à son nom. Le trésorier de l'église. Le prophète de l'église. Alors, changez de comportement. Que tous ceux qui sont malades. On a presque fini. Alors, apprêtez-vous, on va prier. The Lord took Sister Aya to hell. He told her that all you are doing is for me, but one thing should have landed you in hell. Because anytime my son, that was my servant, I was talking to Sister Aya's husband, the pastor, was asking me to have sex with him, you are telling him, I'm tired, I'm busy, I'm this.
should have warned you in hell. So now the Lord says to tell you, any woman that is here, you are the one controlling your mind. You are the one that when you feel to have sex with your husband, you are straining your husband. If you die with that attitude, you will enter hell. Quand le Seigneur a montré l'enfer à la sœur Ayo, il lui a dit, ma fille, tu as œuvré pour moi, mais la chose qui t'aurait jeté en enfer, c'est le fait que chaque fois que ton mari te voulait, tu te refusais à lui en disant, je suis occupé, je suis fatigué. Toi, épouse, qui te refuse à ton époux, lui faisant ainsi subir le supplice de Tantal. Le Seigneur dit que si tu ne te repens pas, tu finiras en enfer. Alléluia. Amen. Laissez-moi parler sur ce côté. Excusez-moi de parler. Si tu fais ça là, tu appartiens en enfer. Les femmes, ouvrez bien vos oreilles. Tu as dit toutes les femmes qui refusent la mariée. Là, il refuse la mariée. Eh bien, dis non, je suis fatigué. Tu ne vois pas qu'aujourd'hui je suis le champ. Mes cheveux me font mal. Mes pieds me font mal. Mes ongles me font mal. Je ne veux pas. Dis-toi, femme, tu fais ça, tu mets, tu vas en enfer. Dieu dit, on ne refuse pas son mari. On ne refuse pas son mari. Si tu fais ça, il faut changer de position. Aujourd'hui, il faut prier Dieu. Dieu n'a qu'à te changer. Si tu es fatigué, ça a fallu. La balle ne se fatigue pas aussi. Si tu fais ça, tu as l'habitude de refuser ton mari. Il n'y a pas paradis pour toi. Il n'y a pas paradis pour toi. Quand tu refuses ton mari au lit, c'est malédiction. Va foyer la maudite. Malédiction vient sur toi. Donc il faut changer aujourd'hui. On continue. Love your husband, you are pretending you only marry the husband for money. Don't love the husband, you are doing yourself. Si tu épouses ton homme juste pour ton argent alors que tu ne l'aimes pas, tu fais du mal à toi-même. You should respect your husband. Tu dois respecter ton mari. They say cheating. Some of these women, they are sleeping outside their marital home. L'adultère, il a dit, certaines de ces femmes ont des aventures extra-conjugales. And the Lord says, some of them, the sixth or the fifth or the first or the one of your child, you know you do sex, you do cheating, you unnamed to your husband, you carry pregnancy, you know that son, that daughter, biological is not your husband, biological daughter or so. You are keeping the son, the daughter, you unnamed to your husband, you are lying to whoever it's your son, it's your daughter, but you know, and you are keeping it. If you don't do your restitution to that husband, the Lord says, you are fooling the son on earth. Certains d'entre eux savent que l'un des enfants est issu d'une aventure extra-conjugale, mais elle le cache à leur époux et lui mente que c'est le sien. Si tu es une telle femme, le Seigneur dit que tu peux tromper son fils ici-bas, mais que si tu ne restitues pas la vérité à ton mari, tu seras jeté en enfer. You are stealing your husband money on the briefcase, in the pocket, anywhere unknown to restitution to do to your husband that I was taking money, you didn't know, but I was just taking. À son insu, le Seigneur te demande de le confesser à ton mari. Non, ne va pas lui dire. Mais tu meurs, tu vas en enfer. Ou encore si peut-être nous. C'est ce que je voulais dire. N'a que quelqu'un dit au nom. If you don't take that thing back or do restitution, the Lord says if you die, you go to school. Si tu ne restitues pas ces biens ou si tu n'avoues pas cela à ta hiérarchie, le Seigneur dit que à ta mort, tu seras parmi. Toi qui touches des pots de vin à ton lieu de service, implore le pardon du Seigneur et ne le fais plus. Si tu ne savais pas avant, va demander pardon à Dieu. Si tu fais René Caillé, tu as usurpé l'identité d'une autre. Ce qu'il est en train de faire, c'est zéro. Toi, tu payes quelqu'un pour aller composer à ta place. Je suis dans la gloire de quelqu'un. Si tu as eu travail, avec ce diplôme, tu meurs, tu vas faire le ciel. Il faut te repentir. Donnez le ciel, si tu meurs, il n'y aura pas de paradis. C'est vrai, tu peux avoir l'argent sur la terre. Les hommes ne vont pas soupçonner. Après ta mort, il n'y a pas de paradis. Mon bien-aimé, toi également, tu es
accouchement d'un enfant. On t'a proposé un travail. Et tu sais que ton âge réglementaire. C'est pourquoi on a parlé de renaissance. Ce sont des mensonges. Vous êtes en train d'entretenir. Sortez de ces choses. Tous les enfants que vous avez appelés dans les cahiers. Allez-y déclarer. Dites la vérité. Dis ça, mon enfant là. Vous avez entendu. Les enfants. Tomorrow I will tell you how I saw your age group, the age of 5-6 years suffering in hell. Je vous le dirai demain. J'ai vu des enfants de 5-6 ans en train de souffrir en enfer. Et là, c'est all disobedient children. Je leur ai dit, tous les enfants désobéissants. Les enfants qui ne respectent pas. Tu as disobedient, tu as always said to your mother and father and other people that are elder than you. Some children, they used to force elder. Children, if you are realistic, if you die, you know, they don't say every children are not bad and good. If you are here, you know this is bad, what I'm doing is bad, what I'm doing is good. If you die in this thing that I'm mentioning, children, you will enter hell. Les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents et à leurs aînés, qui maudissent les adultes, le Seigneur a dit, tous les enfants qui connaissent le bien et le mal et qui choisissent le mal finiront en enfer. Toi, tu es dans ce village, tu es enfant. Tu sais que tu es enfant. Mais tu as des injures de grandes personnes. Tu dis non, toi tu n'es pas mon papa. Tu n'es pas ma maman. Donc je ne te dois pas respect. Mon petit. Ma petite. Si tu es ici. Tu agis de la sorte, tu meurs, tu vas en faire. Parce que si tu as pu dire à quelqu'un qui est grand. Que tu n'es pas mon papa. Tu n'es pas ma maman. C'est que tu connais ce qui est bien. Tu connais ce qui est mal. Si on dépose du pain à ta gauche. On dépose caillou à ta droite. Et on dit qu'il faut choisir. Si tu as envie de choisir du pain. Pour laisser caillou. C'est que tu connais ce qui est bien, ce qui est mal. Mon bien-aimé, il faut te répondre. If you are here, a children, you are here in the age of 7, 8, 9 years, you are still calling yourself children, but you know you are doing bad, you are deceiving yourself children. Tu as entre 7, 8, 9 ans et tu te considères encore comme un enfant, tout en sachant que ce que tu fais est mauvais, et bien tu te trompes toi-même. All the lying and stealing, you have been stealing mommy, daddy money, corrupting the house, gossiping, fighting your friend in school, stealing their pen, their book, beating them, do all sorts of things, go and do your restitution. Restitution is when you go and say, I did this, I'm sorry. Children, are you hearing me? Enfants, tous les mensonges, les querelles, les bagarres, les vols à l'école et à la maison, les commérages, va confesser ses péchés et demande pardon. Les enfants, vous me suivez? If you're a young lady here, you are doing
fornication, you are sleeping up and down for money, you are living your life, abortion, you are dressing naked, you are looking for a money, you have been sleeping with your boss in your office, you have been sleeping with your lecturer for math, you have been sleeping up and down being abortion, and you have even having boyfriend now talking to you, and you have been tapping in a boyfriend house, calling yourself the wife, they did not pay your bride price, the Lord say you are heading to hell. Toi fille qui couche avec les hommes, quelles que soient les raisons, toi fille qui a commis un ou des avortements, toi fille qui porte des habits qui exposent ta nudité ou dessine tes formes, toi fille qui vit avec un homme et se prend pour son épouse alors que tu n'as pas été dotée. Si tu es une telle fille, le Seigneur dit que tu es en route pour l'enfer. Alléluia. Amen. Alors, on va commencer nos prières, mais on n'a pas encore fini. Les articles. Alors nous avons déjà parlé de ça. On a parlé de ça hier. On a parlé de ça aujourd'hui encore. On a parlé de ça. Les peines, les chaînes, les pads, les bracelets. On a parlé de ça. On a parlé de ABC pour défriser les cheveux. Une femme qui utilise ça pour défriser les cheveux. Un meuf en enfer. On n'a pas encore parlé de ça. Ça, c'est du parfum. La Bible déclare dans le livre des autres. Est-ce où Dieu a montré qu'on doit commencer à fabriquer parfum? Il va lire la parole de Dieu. On va finir sur ces choses-là. Il y a quoi pour la maison? Alors il faut rester attentif. Tu vas sur quoi? Exode chapitre 30, du verset 34 au verset 38. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Tu écoutes bien. Parce qu'on parle avec des versets. L'Éternel dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Prends des aromates. Prépare aromates. Du stacté. Astacté. Du lang odorant. Du galbanum et de l'encens pur. C'est ça. En partie régale. Tu prends tout égal, tout est même chose. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfum. Tu vas mélanger tout, ça sera fait parfait. Il sera salé. Ça sera salé. Pur et sain. Pur et puis sain. Tu le réduiras en poudre. Tu vas le réduire, tu vas faire ça en poudre. Et tu le mettras devant le témoignage. Et tu vas mettre ça dans la maison de Dieu. Dans la tente d'assignation. Dans l'église. Où je me rencontrerai avec toi. Où je vais aller me croiser avec toi, Moïse. Ce sera pour vous une chose très sainte. Donc vous êtes sain, c'est sain. Vous ne ferez point pour vous. Il dit, parfait que tu as fait là, c'est moi, j'ai montré comment faire parfait. Vous ne devez pas faire pour vous aussi de parfait semblable. Parfait comme ça, vous ne devez pas faire pour vous. Dans les mêmes proportions. Ah, vous allez utiliser les mêmes feuilles que je vous ai montrées là. Et puis faire parfait. Vous le regarderez comme saint. Ce sont les choses que moi seul je vous dis de faire. Et réservé pour l'Éternel. C'est pour l'Éternel seul. Quiconque en fera de semblable. Celui qui est garçon qui va aller fabriquer parfait. Pour le sentir. Pour simplement sentir par odeur de parfait. Sera retranché de son peuple. Et on va le tuer. Alléluia. Vous avez entendu? Celui qui va aller fabriquer parfait. Nous prenons le livre de Marc chapitre 14 encore. Celui qui va aller fabriquer parfait. Il va le tuer. Avant qu'on le mette parfait sur soi. Ici, il va faire parfait, un beau parfait. On sent d'abord. Ça sent bon. Dans la parole de Dieu, si tu fais ça. Tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Il n'y a pas paradis pour toi. C'est pourquoi regardez tous les autres parfums. Je ne sais qu'on appelle donc comment. À mort, tentation. Il y a d'autres qu'on appelle poison. Il y a d'autres qu'on a nommé des sujets. On dit, voulez-vous coucher avec moi? Il y a d'autres qu'on appelle. Il y a des morts. C'est trop beaucoup. Pas perfectionnement. Contrat. Tout ce parfait que vous payez.
Et pour vous aider, sur vos esprits, vous mettez sur vous la parole de Dieu. Dit, Dieu même t'a montré comment faire. Dieu le passé. Il dit, vous ne devez pas me passer là sur vous. La première chose que Dieu a créée pour qu'on fasse avec le passé, dans la loi, dans la tente d'assignation, permet ça de venir. Et puis le temps est vain devant Dieu. Et puis Dieu sent le temps. Mais il ne faut pas autant fabriquer parfum. Tu as combien de parfums à la maison? Allons-y. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, Jésus même, ils ont mis parfum sur lui. Ils ont mis parfum sur lui. Et puis vous, vous faites comme ça, vous dites, il ne faut pas avoir de parfum. C'est pourquoi on vous montre des versets. On va lire la partie où ils ont mis parfum sur Jésus. On va voir. Allons-y, serviteur de Dieu. Marc chapitre 14, à partir du verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Pendant que Jésus était à table, une femme est rentrée. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard. Elle a pris quelque chose comme assiette et puis c'est plein de parfums. De grand prix. De grand prix. Et elle rompit le vase. Et elle a cassé. Elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Et elle a mis tout parfum là sur la tête de Jésus. Quelques instants après, quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. Pas content. À quoi bon cette bête? Ah! Pourquoi on a pas gaspillé parfait là sur Jésus? On aurait pu le vendre plus. On pouvait même pas faire la chair. Plus de 300 deniers. Plus de 800 000 francs. Et on a donné aux pauvres. Quand t'as dit l'enfant se fasse, ça fait 800 000. Plus de 800 000 et puis on va donner l'argent aux pauvres. Et ils s'irritèrent contre cette femme. Les gens étaient fâchés. Pourquoi elle a mis parfait là sur Jésus? Mais Jésus dit, Jésus va dire aux gens, laissez-la. Laissez la femme là tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la paix? Parlez sur la femme parce qu'elle a mis parfait sur moi. Elle a fait une bonne action à mon égard. Afin qu'elle a mis sur moi là. Car elle a bien fait. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. La pauvre là, vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien. Vous pouvez toujours faire du bien aux pauvres quand vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez donner l'argent aux pauvres. Mais vous ne m'avez pas toujours. Moi là, je ne suis pas avec vous toujours, je vais mourir. Le verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Pour elle, elle a fait ce qu'elle pouvait me donner comme cadeau. Elle a d'avance. Elle a d'avance en délivré son corps. Elle a déjà mis parfum là sur mon corps. Pour ma sépulture, mon enterrement. Vous entendez? Elle a, puisque je vais mourir, avant que je ne meure, elle a déjà mis parfum là sur mon corps déjà. Parfait. On met ça sur les cadavres. C'est sur les cadavres, on met. Première partie, c'est dans la tente d'assignation. Deuxième partie, que tu as créé parfait. On met ce parfait là sur les cadavres. On met pas ça, toi tu es vivant. Vous voyez l'odeur qui est derrière, il y a une odeur de mort. L'odeur de cimetière. Ça, c'est cadavre. Jésus a dit, Jésus en la femme là, elle est parfaite. Parce qu'elle a mis ça. Il dit quoi? La parole de Dieu dit, elle a mis le parfum sur la tête de Jésus. Dans le livre des gens, c'est sur la tête de Jésus. De vous, vous qui êtes assis, qui a une fois payé parfum, puis il a mis ça sur sa tête. Sur ses pieds. Quand tu peux pas faire la n'est-ce pas ici? Le livre de Jean chapitre 18, à partir du verset 39, la Bible dit, quand Jésus est mort, Nicodème qui allait voir Jésus la nuit, et bien monsieur qui est très riche, on appelle Joseph. Quand il y a un intérêt à quelqu'un, s'assure. C'est la parole de Dieu. Il nous dit, quand on crée le parfum, pourquoi on met sur le cadavre? C'est pas pour le sourire. Elle va dire ça dans le témoignage. Elle va dire ça dans le témoignage. Toi, chrétien, tu te dis chrétien. Et puis tu perds parfum. Et puis tu mets sur toi. C'est comme si au-delà que Dieu t'a donné le témoignage. En parlant de ça, dans une ville, il y a un conjoint qui nous. On dit tu as menti. Si on te dit tu viens au monde depuis ta descendance corporelle, c'est que tu as envoûté. C'est que tu as envoûté. Tu as dit
Il est venu à l'église à Bakila. Jésus m'a dit. C'est un ancien musulman. Il est parti dire à ses enfants qu'il n'est pas musulman. Il dit à ses enfants, je suis devenu vieux. Si je meurs là, c'est un cadavre. Les petits, petits enfants là. Donnez-les. Le monsieur Kerry, bien au sein de cœur, au sein de cœur. Et parfait dans sa vie. Mon frère même qui est là. Mini, allez, allez. Et puis demain. Donc, ouais. Il faut continuer. Ah, il faut terminer. C'est moi-même qui ai lavé le corps. Mais moi aussi, mon frère. Avec mon frère qui est en train de faire. On a lavé le vieux. Et celui qui nous aidait à laver. Il nous a demandé d'envoyer du parfum. C'est ça, nous on a dit pas. Mais nous, on ne savait pas qu'on mettait parfait sur le cadavre. Et c'est là qu'on s'est rappelé. Quand tu mets ça fait et puis avant s'assoit à l'église. Dans les fêtes de Pâques et puis faites là les gens. Après vous colorez la bouche. Lève. On appelle ça rouge aux lèvres. Rouge à lèvres. Noir aux lèvres. Vieux bleu. Ou bien bleu aux lèvres. Vieux tout. Alors bien aimé. Tout chrétien qui met ça sur toi. Il dit, le dimanche, tu mets ça sur tes lèvres. Avant d'aller à l'église, tu ne peux pas aller par là. Ou bien même, on appelle ton fond de teint. On prend au chiffon ton rebord. Il y a un petit miroir dedans. On appelle aussi mascara. Et tu prends pour faire les visages. C'est mascara, c'est fond de teint. C'est rouge à lèvres. C'est rouge à lèvres. Toi chrétienne, on va dire sur le voie. Pas paradis pour toi. Il faut pardonner ces choses. Il faut vider ton placard. Si tu étais dit chrétien, il faut aller les jeter. Il faut aller les prier. Il faut aller mettre en versée. Tu chrétien, tu mets ces choses. Je suis parler. Et voici encore d'autres. Nous allons finir. Vous prenez, vous placez. Ces choses-là vont vous conduire dans le sol. Vous êtes que Dieu vous appelle. Le Seigneur Jésus vous appelle. Jésus fait l'amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais bien aimé, aujourd'hui est le quatrième jour. Et voici, nous sommes arrivés à la fin de notre moment. Alléluia. Amen. Toi qui es venu, pour qu'on puisse prier ensemble. Toi qui es venu, afin qu'on te porte en prière. Le temps de la prière est venu maintenant. Puisque nous avons écouté la parole de Dieu. Alors, ils ont dit, nous t'invitons à te lever pour qu'on puisse prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Et après cette prière, demain également, Amen. Nous sommes là encore dans le village. Si tu le souhaites, tu peux venir nous voir. On a lancé le message depuis plusieurs de son passé. Mais je vous en prie, on ne peut pas prier pour tout le monde en même temps ici. Nous sommes à la maison de 6h jusqu'à 17h30 avant qu'on ne sorte. Donc tu peux approcher. Mais pour l'heure,
dans la Syrie. Toi, tu es venu pour qu'on prie ensemble. Nous te prions. Israël. Tu peux te tenir debout. Okay. Alléluia. Amen. Tu peux te tenir debout. On va prier le Seigneur Jésus. Israël. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Si tu es fatigué et que tu ne veux pas prier, si tu étais venu pour regarder le film, mon bien-aimé, il faut savoir que aujourd'hui marque la fin de nos jours de film. Mais nous voulons prier avec toi. Nous voulons te communiquer encore la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors lève-toi, on va prier ensemble. Bien aimé, il y a beaucoup qui veulent nous réjouir pour qu'on puisse prier le dimanche. Alors nous sommes là pour qu'on puisse prier. Bien aimé, nous ne sommes pas des extraterrestres. On n'est pas tombé du ciel. On s'est fait effort pour obéir à la parole. À ces là. Toi aussi tu peux obéir. Regarde, le Seigneur nous dit. Il y a mes serviteurs qui sont dans ce village. Il y a mes grands serviteurs qui sont dans ce village. Et tout le monde des frères même qui sont au milieu de nous, qui sont des serviteurs de Dieu. Mais c'est eux-mêmes qui sont les plus grands moqueurs. C'est eux-mêmes qui sont les plus grands doubleurs. C'est eux-mêmes qui sont les plus grands présentateurs. On ne va pas te forcer. Mais tu vas payer le prix après. Alléluia. Alors tu vas te tenir debout, tu vas lever les mains, tu vas fermer les yeux. Tu vas répéter avec moi. Il faut répéter prier. Parce qu'aujourd'hui c'est la fin. Tu vas dire Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Je t'entends même pas, mais on dirait même que tu es en sommeil. Vous laissez sommeil, là, on va prier. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on a aimé ta parole. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je viens à toi. Je viens à toi. Pardonne-moi. 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 Pardonne mes péchés. 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 Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. 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 Quand tu lèves les mains, ne lèves pas haut comme ça. Juste. Ok, tu lèves comme ça simplement. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, je reconnais mes péchés. Je viens à toi. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Que ton sang me lave. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Descends maintenant ton feu au nom de Jésus. Même tu connais de quoi il souffre. Descends maintenant ton feu au nom de Jésus. Sonne-lui. Malgré tout, commande-toi maintenant de sortir de toi. Quand je suis à disparaître, tout ce sort disparaît. Notre Jésus, fais, Reçois la guérison. Ça dure. Reçois la guérison. Le Seigneur, là où je viens, il te reçoit. Je veux prendre la paix dans sa voix.
racine, dans sa bouche, dans sa corps, dans son ventre. Je proclame au nom puissant de Jésus. Et que toute manipulation cesse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, libère-le maintenant. Jésus, libère-le. La terre vous avale. Nom de Jésus, Père, sortez-lui. Au nom puissant de Jésus, sortez-lui. Au nom puissant de Jésus, sortez-lui. Au nom puissant de Jésus, que le feu vous consume. Que le feu ça devient du feu. Le sang te libère. Par le sang, Tu le sais, Tu reçois le sang de Jésus. Il n'y a personne vivant sur cette terre.
qui fait au nom de Jésus. J'ai saisi le livre. Je déclare selon le livre. Je déchire ta robe. Psaume 24. Je déchire l'éternel à terre. Je déchire ta robe. Le monde de ceux qui l'habitent, de ceux qui font partie du monde, alors tu appartiens à l'éternel. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui que tout le monde qui est positionné dans sa voie, que ces barrières soient brisées. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces barrières soient brisées. Ces barrières soient brisées. Ces barrières soient brisées. Que ce soit les barrières de mort. Tu reçois le sang. Ça brise tes bases.